Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, salut tout le monde, c'est Adam pour The Workshop. Bienvenue dans votre break 202. Baseball time today. Yes, 10 fois clearly authentique. C'est ce soir que ça se passe direct là. Donc voilà. Donc, je vous montre nos logos en bas. Nos logos, nos adresses en fait. On a un Facebook, un Instagram et un YouTube. Gênez-vous pas de venir nous suivre sur toutes les plateformes. Et on s'en va tout de suite en live, right now. Donc, salut tout le monde, comment ça va? Salut Danica, Olivier, Serge, François, Dave, Denis, Jonathan. Salut Steven. Salut François. Salut Grizzly. Let's go, hit and run. Salut Dave. Salut Marika. Good, fait que j'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle journée. On va essayer d'aller vous sortir du gros stock à soir. Yes. Et avant même qu'on commence, on a un gagnant tout de suite sur le start, drette comme ça. Drette comme ça. On commence à y prendre coup avant de se coucher. Hey, je ne sais pas si c'est positif ça. Donc, ce que je m'en allais vous dire en fait, c'est qu'on a déjà un gagnant avant même qu'on ouvre les boîtes. Pourquoi? Parce que j'ai vérifié les checklists en m'en allant après avoir sorti le break et tout ça. Et puis, on a une équipe qui n'a aucune carte dans le Clearly Authentic. Donc, j'ai décidé que, parce que c'était mon erreur, qu'on allait le gâter tout simplement de deux choses. Donc, celui qui a les Pirates de Pittsburgh, Dominique Gagnon. Donc, Dominique, il n'y a aucune carte des Pirates dans Clearly Authentic 2020. Donc, je vais faire en sorte de me rattraper avec deux choses, Dominique. Salut David, salut Dave. Donc, première des choses, je vais te donner une carte de ma propre PC personnelle. Et ensuite, je vais te redonner un crédit du prix du break ce soir qui était 37$.
Donc, je vais te redonner un crédit de 37$ que tu pourras utiliser dans les prochains breaks à ta guise. Donc, c'est comme si tu avais un spot gratis. Puis, je te donne une carte en bonus qui est Justin Bour, 9 de 99 avec les Marlins qui est autographié. Donc, je sors ça de mes cartes. Je te donne ça, Dominique. Donc, félicitations. Une première carte pour toi avant de débuter. Et je garde ça en banque. Donc, prochain break que tu voudras embarquer, tu auras 37$ de crédit que tu pourras utiliser. Juste me mentionner quand tu l'utiliseras. Comme ça, je vais le noter à mesure, tout simplement. Donc, voilà. Donc, Dominique, déjà, qui commence en force. Et on y va. On a 10 à ouvrir. Let's go. Let's go. Let's go. Decoy, juste ici. Et c'est parti. Et là, pour la première fois, j'y vais pas de gants. Parce que sont toutes dans des cases, tabarouette. La Joe Burrow, Marika, j'espère, tabarouette. Cédric, tu voudrais ça comme hier? On va essayer. On va essayer. T'as eu quand même toute qu'une soirée hier. Là. On va se le dire. Là. OK. On a la première juste ici. Et on start ça tout de suite. Êtes-vous prêts? Et on y va right now. On start ça avec les Phillies. Real Muto. 1985. Avec les Phillies. Donc, who's got the Phillies tonight? Qui a les Phillies? C'est Carl Gagnon. Carl commence ça en force ce soir. On start ça tout de suite. La première, Real Muto Auto 1985. Philadelphia Phillies. Ben oui, sur 25, Dave, tu l'avais pas vu? Ben, tabarouette. Ah, good, merci François. Les mains douces, pas, semi, pas tant. Pas tant. D'après moi, c'est mieux que des gants. Salut Francis! Non, pas de gants ce soir, Marc-André. Parce que toutes les cartes sont dans des cases comme ça. Donc, j'ai pas d'inquiétude de laisser de traces sur les cartes ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est la raison pourquoi je mets des gants habituellement. Mais ce soir, étant donné que tout est dans les cases, pas de gants. Straight pipe. Et on y va. Oh, on semble avoir une red cette fois. Est-ce que ça va être numéroté sur 50? Oh, let's go! Come on! Et on y va avec les Red Sox sur 50. Non, c'est les Reds, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit là? Je vois bien que je vois pas de l'air. Les Reds, le 04 de 50, Eric Davis. 1985, Cincinnati Reds. Who's got the red? Et Eric Lachance avec les Reds ce soir. Let's go! Hey, c'est le fun d'ouvrir ça, Moses. Une ou deux de temps en temps, c'est pas pire, mais d'ouvrir 10, c'est pas mal de fun, je trouve. C'est pas mal de fun. Moi, Deegan, ça m'énerve. Bon, on en a deux de fait. On continue. Troisième. On y va. C'est malade, certain, Dave. Et on y va pour la troisième. C'est parti. On est prêt. On poursuit ça. Number 3. Et on y va cette fois avec Logan Webb pour les Giants. Rookie auto. Who's got the Giants tonight? Steven Raposo. Let's go. Steven got one tonight. Let's go. Logan Webb. Paul San Francisco. Hey, on est bon pour la quatrième. Hey, ça va vite, mais c'est le fun en tabac. Ouais. Hey, on est bon. On veut y aller pour le coup de circuit, là. Watch out. What a shout! Faut qu'on sorte le brocoli. Parce que j'ai mis mon DK ici. Faut que je sorte le brocoli à soir. Oh oh oh! Et on y va pour la numéro 4. 4 de 10. Et c'est parti. Allons-y. On y va cette fois avec
Kyle Lewis pour les Mariners. Donc, base Ruggiero pour Seattle. A nice one. Kyle Lewis, baby. Who's got the Mariners tonight? Denis Gagnon. Let's go, Denis. Denis, je me trompe-tu? Je pense que c'est la première fois que tu es dans nos breaks avec nous. Bienvenue sur The Workshop, Denis. There we go. Kyle Lewis Auto. On commence à avoir un petit setup. On va grossir ça encore. Let's go. Let's go. Box number 5. 5 of 10. Ouais, Marc-André, ça, c'est un style un peu comme clear cut, en fait, en walkie, dans le sens que t'as une boîte, pas une boîte, une carte en fait par boîte. Un peu moins cher, par exemple, le hockey. Plus accessible. Le hockey, c'est... Ça coûte cher, puis tu peux frapper un nœud, hein? Tu peux faire ses forts, mais tu peux frapper un nœud. Ah oui, Cédric, j'aime vraiment ça, moi, avec. Ben non, François. Pas espoir. Box number 5. On y va cette fois avec... Les Braves of Mike Soroka, 1985, auto. Donc pour Atlanta, les Braves, c'est Bob Chalifou pour cette cinquième. Fifth of the night. Et on y va pour la sixième box. Hey Grizzly, let's go, let's go, let's go. Box number six. Il hey, faut que ça frappe plus que ça encore. Let's go. Et c'est parti pour la sixième. Et on y va cette fois avec Yamamoto sur 75. 11 out of 75. Donc black sur 75 pour les Marlins. Who's got the Marlins tonight? On dirait une toune, hein? C'est épouvantable. Les Marlins, mon focus de yeux ne se fait pas. C'est qui qui a les Marlins, ça va, ouais. Elle jouait plus de l'air. C'est Dominic Gagnon! Let's go! 11 de 75, Dominic Yamamoto pour Miami. On va se faire une petite rotation ici. Clear cut, j'avais pogné une bonne sur 7, les 6 toutes des no-names, ouais. Ben, c'est pas toujours facile pour vrai ces produits-là, c'est hit or miss, hein, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Et là, on est dû pour un coup de circuit ici, sans faire de mauvais jeu de mots, là. On est dû pour un gros paf. Faut que ça fasse comme le cirque. J'ai même pas rien écouté encore, Caroline. Va être obligé d'écouter ce patron. J'ai même pas regardé rien ce soir. Moses. Oh, c'est parti. Box number 7. Et on y va cette fois avec Anthony K. In green sur 99 pour les Jays. Blue Jays cette fois. Et c'est Dave Grenier. C'est la 98 de 99, Anthony K pour Toronto. There we go. Comme ça, on s'en va dans la box number 8. Box number 8, qu'est-ce qu'on va avoir? On y va cette fois avec A Rose Arena pour les Cardinals. Who's got the Cardinals tonight, les Cards?
C'est Michel Plante. Michel, congrats. Michel aussi, premier break avec The Workshop. Bienvenue, Michel. Donc, St. Louis Cardinals. Randy Arozarena. Trois strikes à soi. T'as passé la gratte sortant hier, Cédric. Il en reste deux. Est-ce qu'on va avoir un gros coup de bâton de malade? On est dû, on est dû. Et ça semble être green de nouveau. Est-ce que ça va être encore sur 99? Et on y va avec Alvarez sur 99, la 09 de 99. Houston Astros, Steven Raposo. Bam, bam, bam. Woo! Nice one, Steven. Nice one. There we go. Alvarez out of 99 for the Astros. Houston Astros. Nice one, Steven. Congrats. All right, GC, let's go, let's go. Nice hit. Alvarez out of 99. Come on. Come on. Mais, hein, Bob? Hey, on y va avec Last Call, la dernière box. Bonne chance, tout le monde. Viens-tu de me couper avec du carton? Non, non, regarde, okay, okay. Ça a rien que chauffé un peu. Et on y va pour la dernière. Et si je me trompe pas, ça a de l'air green à nouveau. Sur 99 again. Pour les nouveaux qui sont avec nous pour la première fois, n'oubliez pas de venir me laisser votre adresse en privé que je puisse shipper vos cartes. Sinon, deuxième option, je peux laisser vos cartes au 418 Sport. Si vous comptez passer dans le secteur, vous avez juste à passer. Mentionnez votre nom, on va vous sortir la carte d'en arrière. Aucun problème. Donc voilà, on y va pour la dernière. C'est vrai que Cédric est d'habitude, il est pas pire à fond. Il a tendance à bien finir ça. Last call, on y va. In green, et on y va avec... Les Cardinals again, Tommy Edman, 43 de 99, St. Louis Cardinals, Michel Plante, deux cartes ce soir parmi les 10, congrats Michel, toute qu'une entrée en la matière pour Michel, congrats, félicitations, et si on se fait un petit wrap-up de nos cartes de ce soir, on regarde ça ensemble, pour les Reds, Eric Davis, sur 50, Red 1985. Pour les Braves, Mike Soroka. Pour les Phillies, Realmuto. 1985. On a eu aussi, Logan Webb. Pour les Giants. Et on a le setup que vous voyez ici. Tommy Edman qu'on vient juste de sortir green sur 99 pour Saint-Louis. Et on y va avec Anthony K. Green pour les Jays. 98 de 99 pour Toronto. On y va avec les Cardinals. Arozarena. Avec toute qu'une signature, Randy. Nice one. On a eu ensuite une Black pour les Marlins avec Yamamoto. La 11. La 11 de 75, pardon. On a eu aussi Kyle Lewis pour les Mariners. Pretty nice one. Et on a eu tout juste dans l'avant-dernière carte Alvarez Green out of 99 for the Houston Astros. Hey, Steven, let's go. Congrats, Steven, again. C'est sûr qu'on peut pas toujours passer la graine. Ben voilà, ça complète le break 202, tout le monde. C'est aussi simple que ça du Clearly Authentic, mais tabarouette, c'est le fun. Moses que j'aime ça. Donc voilà, prochain break de baseball, on va essayer de vous sortir ça probablement demain ou après-demain. Donc restez pas trop loin. Là-dessus, ben 23:59, on finit la journée vraiment à la minute près avec ce break.
On me surnomme Alan Buffer. Je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir rempli ça aujourd'hui. Encore une fois, merci. Je vous le dirai certainement jamais assez, mais c'est très apprécié. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une moseuse de belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à demain. Salut tout le monde! Artlist.io. Music licensing reimagined.